Salut. J'ai pris l'autobus parce que je voulais aller m'acheter un homard. Faites jamais ça. C'est le pire animal de compagnie que j'ai jamais eu. C'est blasé, un homard. C'est blasé. Moi, quand j'allais... Tu sais, j'ai amené ça chez nous, je l'ai mis dans mon salon, sur mon Lazy Boy. Ça en foutait bien raide. Et j'ai dit, OK, c'est normal, il est gêné, on se connaît pas, tu sais. Fait que j'ai dit, je m'appelle François Bellefeuille. Tu vas t'appeler Omar Kadir. Aucune réaction. C'est là que j'ai compris que c'est à cause de son attitude qu'il n'en vende pas à l'animalerie des homards. Parce qu'un homard, ça exige d'être vendu à la livre. Tu peux pas aller à l'animalerie et t'acheter 6 livres de bûcheron maltais. J'ai tout fait pour entrer en contact avec mon homard, tu sais. Je l'ai insulté. J'ai traité sa mère de crabe. J'ai chanté la tune de Red Lobster. Il a jamais voulu danser. Le petit maudit, pendant que moi je chantais, lui, il faisait juste bouger ses antennes. Il essayait de pogner la radio! Tu sais, j'aurais aimé ça avoir une bonne relation avec mon homard! Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il me fasse des tresses. À quoi ça sert d'avoir des élastiques d'un pain si t'en sers jamais? Fait que finalement, je l'ai mis d'une boîte. J'ai marqué « homard à donner ». Raison, passe 5 minutes avec, tu vas comprendre. Je l'ai mis sur le trottoir. Puis là, tu sais, après, je suis allé me cacher, tu sais, parce que je voulais quand même savoir ce qui allait arriver, tu sais. Puis, c'était un petit couple qui a ramassé la boîte, tu sais. Puis là, je me suis rapproché pour écouter, puis le gars, il dit à sa femme, on va le manger à soir avec du beurre à l'ail. J'étais bouleversé, parce que maintenant, je sais ce qui est arrivé avec mes bébés chats. Je suis une mauvaise personne. Je suis un vilain. C'est ça. Pas un grand vilain qui veut tuer Batman. Là. Un petit vilain. Un vilain de base, ordinaire. Je n'ai pas de pouvoir. Je suis pas un bon voisin. Tu veux pas m'avoir dans ton quartier? Je vole. C'est un hobby. Je vais rentrer chez quelqu'un, genre, puis je prends une débarbouillette, puis je me sauve. Où je vole des touches de clavier d'ordinateur, tu sais. Je vole le Enter parce que ça fait chier. Où je vole des sacoches. Seulement les sacoches des personnes âgées. Je préfère leurs sacoches. C'est toujours bien rangé, hein. C'est rempli de coupons rabais. Puis je tombe jamais sur un tampon. Je déteste les tampons. Les serviettes sanitaires, c'est correct, mais fais des petites épaulettes avec ça. Je me tiens le dos droit, puis je me prends pour le caporal de Bax.